Et c'est parti, on continue le custom collaboratif du ballon. Et après avoir fait Messi dans la dernière partie, on s'attaque à la légende française, bien évidemment, c'est Zizou. Alors comme d'habitude, je commence par mettre une couche de gesso pour avoir une surface blanche où je peux faire un crayonné. Ensuite, je viens faire mon croquis au crayon par-dessus pour poser mes repères et savoir où je vais peindre. Cette fois-ci, pour le fond, j'ai pas cherché compliqué, j'ai fait juste un drapeau français. Déjà parce que ça fait plaisir et je trouve que ça ressort bien, donc j'ai pas cherché plus loin. Dans la photo référence que j'ai prise de base, il n'y avait pas la coupe du monde, mais j'ai voulu lui rajouter parce que c'est tellement iconique. Il nous a quand même ramené la première coupe à la maison, donc j'étais obligé de le faire avec. D'ailleurs, j'ai hésité aussi à le peindre en tant qu'entraîneur du Real avec toutes les coupes qu'il a gagnées, parce que c'est quand même incroyable d'être aussi bon en tant que joueur et entraîneur. Bon, et comment parler de Zidane sans parler du coup de boule? Normalement, on est censé être contre la violence, mais lui, il est tellement légendaire qu'on en a fait des musiques. D'ailleurs, c'est très satisfaisant de dessiner des objets brillants comme la coupe du monde. Ok, donc on continue. Dans les commentaires, faites-moi vos meilleures propositions de joueurs ou joueuses préférées pour savoir qui on va faire dans la prochaine partie. Et voilà ce que ça donne pour le GOAT français.